Du coup, les chats, voilà. On va regarder le trailer de Minecraft et on va voir ce que ça donne. Ouais. D'accord. Oula, le mouton, il est horrible. Les piglins, eux, sont stylés en vrai. Les gars aussi. Le seul truc que j'aime pas, c'est que c'est trop poussé sur le réalisme. Le loup, il est stylé. Là. Les jeux, ça, je n'aime pas trop parce que ça fait pas du tout partie de Minecraft. Mais, fabrique de sous, j'imagine que c'est peut-être. Parce que il y aurait besoin d'un seau de lave et un seau de lait, peut-être? Un seau de lave et un seau d'eau, peut-être? Ici, on peut voir qu'il peut avoir. Attendez. Regarde. Attendez une minute. Ici, on peut voir qu'il y a une forteresse, un village. Donc, on va voir, on voit qu'ils vont pouvoir explorer des villages. Là, il y a les piglins qui. Steve is Lava Chicken. Donc, ah ouais, donc. Ici, on voit qu'il y a un truc. Peut-être un magasin, là. Là, on voit que peut-être qu'il y a Steve is Living Chick Lava Chicken. Sachant que. Il y a des fermes à lave qui font brûler les poulets quand ils grandissent. Oui, c'est assez cruel. Peut-être que c'est ça qui a Steve. Peut-être qu'il a fait un espèce de PFK pour brûler. Pour ça te parler. Pour brûler les poules puis se faire du poulet cru. Cuit. Le creeper, en vrai. Lui, le creeper, par contre, je l'adore. Vraiment, j'adore le creeper. On voit que le Nether, il est plutôt stylé, mais ça fait pas trop penser à Minecraft. Encore une fois, je l'aurais dit, c'est trop, c'est surréaliste. I'm Steve. Et là, ben on a ah, le goût Minecraft, j'allais dire, mais là il y a quelque chose. D'accord. En vrai, ça a l'air d'un film humoristique. Ça a l'air d'un film humoristique. Je vais pas vous mentir qu'en vrai, déjà on a pu voir ici que ça m'a l'air clairement sur un fond vert. Ça paraît beaucoup trop que c'est sur un fond vert. On peut voir qu'il y a des montagnes de la 1.19. Il y a le Cherry Blossom de la 1.20. Il y a ensuite des grosses montagnes pleines de lave. Donc peut-être des volcans, je sais pas. On a le biome Mesa au bout ici. Là, on a peut-être le biome désert ou encore Mesa. On a un beau lac. Par contre, on voit pas d'océan. Ensuite, on peut voir là, il y a un portail. Alors, il est bleu, mais bon. Peut-être un portail Snazer, je sais pas. Ensuite, on peut voir le mouton, beaucoup trop réaliste. Ça fait pas penser à Minecraft. Ça fait pas vraiment penser à Minecraft, même si ça le fait un petit peu, mais pas trop, parce qu'il est trop réaliste. On a les ghasts. Voilà, t'as vu. Voilà, les ghasts qui sont très stylés. Ils sont beaucoup trop réalistes, mais ils sont très stylés. Comme le piglin. On a le loup qui est très stylé aussi. Alors, par contre, il y a un truc ici, on dirait qu'il est écrasé. Mais bon. Déjà, on peut voir qu'il y a un village ici. Ça a l'air d'un beau village. Par contre, cette structure-là n'est pas dans Minecraft. Donc, qu'est-ce que ça va être? Je sais pas. Ensuite, ici, on peut voir. Derrière, il y a quelque chose d'écrit. Voilà, ici, il y a quelque chose d'écrit. Puis là, il y a Steve Lava Chicken, comme je vous disais. C'est peut-être une ferme à poulet. Ensuite, on peut voir qu'il y a un Nether. Donc, peut-être qu'ils vont aller dans le Nether pour combattre les piglins. Ici, encore une fois, ça se voit qu'ils sont sur un fond vert, vraiment. Encore une fois, ça se voit. Par contre, on voit le biome Cherry Blossom puis les montagnes. Donc, peut-être qu'ils sont dans le même endroit, mais plus loin. Ensuite, je suis capable de le montrer. Voilà, donc on a le logo Minecraft, le fameux. On a un lama, donc peut-être qu'on va voir un Wandering Trader dans le jeu. On a les piglins qui courent, donc peut-être qu'ils attaquent le village.
Puis ça sort le 4 avril. En vrai, mon avis est positif parce que je dis, allez-y, allez le voir. Je suis sûr que le film va être excellent. Pour ceux qui aiment le mélange de Minecraft et d'humour, je dirais que le film va potentiellement être humoristique. Donc, moi, ça m'intéresse vraiment. Vous me direz votre avis en commentaire, mais moi, ça m'intéresse le film. Du coup, on s'entend là pour cette vidéo, les gens. Je vous dis à la prochaine pour la vidéo. C'était Altera. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, et à dire en commentaire ce que vous en pensez du trailer. Et à la prochaine. Ciao, ciao.